élégante à la campagne. C'est une journée très chaude au pays des jouets et nos amis sont déjà nombreux à attendre pour avoir une chose délicieuse et fraîche, une bonne glace. Mademoiselle Chatounette, êtes-vous prête à ouvrir et à nous vendre des glaces? Parce que nous, on est prêts à manger des glaces. Bravo, les glaces! Non, non, je suis désolée, mais je ne peux pas encore commencer la vente. Oh! Mais vous pouvez m'attendre, je reviens très vite. Je vais juste faire une toute petite course. Ah. Oh, Mélissa, heureusement que tu es là. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il va pas, mademoiselle Chatounette? C'est épouvantable, je n'ai plus de lait du tout. Et sans lait, comment fabriquer de bonnes glaces pour mes clients? Je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais je n'ai pas de lait en magasin. Il n'y a eu aucune livraison de lait en ville aujourd'hui. Pas du tout de lait, mais il faut que j'en trouve un peu pour fabriquer mes glaces. Comment pourrais-je faire? Là, il faudrait remonter jusqu'à la source pour en avoir. Ah oui, remonter jusqu'à la source, bien sûr. Alors, à plus tard. Mais comment vais-je la trouver, cette source-là? Moi, j'ai toujours vécu en ville. J'ai toujours cru que le lait venait du magasin. Oh, je ne voudrais pas que Mélissa me prenne pour une idiote. Essayons de deviner. À ton avis, par où commencer? Par la rivière de lait ou bien par le lac de lait? C'est-à-dire, vous auriez pas mal de problèmes en commençant par là, puisque le lait provient des vaches. Ah oui, les vaches, bien sûr. Bien, bien. Encore merci. Hein. Mais où vais-je les trouver, les vaches? Réfléchissons. On gare les voitures sur des aires de stationnement. Donc, pour les trouver, ces vaches, il faut que j'aille sur une aire de stationnement à vaches. Ça, c'est une blague très amusante, mademoiselle Chatounette. Je suis sûre que vous le savez très bien. Les vaches vivent dans des fermes. Oh, mais bien sûr, je le sais. Tu me connais, je suis toujours prête à plaisanter. Bon, allez, je me sauve. Je ne peux pas laisser mes clients comme ça. Il faut que je trouve une ferme. Et tout de suite... Bonjour, mademoiselle. Dites, n'est-ce pas une belle journée pour... un tour en taxi? Tu m'emmènes vite à la ferme la plus proche et pas plus tard que tout de suite. La machine à faire les bouteilles de lait est en panne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lait aujourd'hui. Vous le saviez déjà? Qu'on est sans bouteille, bien sûr que j'étais au courant. Donc le lait va rester dans des boîtes ou alors dans des sacs, n'est-ce pas? Non, mademoiselle, le lait va rester dans les vaches. Dans les vaches, tu dis? Ah bon? Elles ont bu le lait? Non, non, les vaches, elles font le lait. Quand on veut du lait, il faut savoir le prendre à la vache. On appelle ça traire. Je sais très bien tout ça. Je connais parfaitement la ferme et les vaches et comment il faut traire. Regarde devant toi. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais vu personne au monde traire une vache. Et je n'ai même jamais vu une vache. Si vous voulez, mademoiselle, je pourrais vous aider à traire. Mais absolument pas. Je le ferai très bien toute seule. Tu restes dans la voiture, oui, oui. Et moi, je vais chercher le lait. Oh, quel ennui! Je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Mais je ne voudrais pas que Oui Oui me prenne pour une idiote. Alors, il faut simplement que je trouve une vache et après ça ira. Mais à quoi ça ressemble une vache? Oh, tiens! Et si c'était ces bêtes-là? Elles sont blanches? Et le lait est blanc, lui aussi. Donc, le lait vient certainement d'elle. Voilà une bouteille de lait. Venez, petite vache. Ah, où allez-vous comme ça? Restez ici. Oh, allons, ce ne sont pas des manières. Ah, allez. Bête féroce, là tout près, et elle a failli me dévorer.
Ça, c'est bizarre. Je ne pensais pas qu'il y avait des animaux sauvages par ici. Et qu'est-ce qu'elle faisait, votre bête féroce? Elle a fait... miou. Miou? Vous voulez dire... meu? Oui, oui, c'est la même chose. Oh, alors c'était une vache. Les vaches font meu. Vous êtes en train de me faire une blague. Une blague? Oui, bien sûr. C'était drôle, n'est-ce pas? Gentille la vache. Jolie petite vache. Il me faut du lait. Écoute, je te l'ai demandé très gentiment. Alors, maintenant, je t'ordonne de me donner du lait. Ben... écoute, je n'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai des clients qui m'attendent. Je n'ai plus qu'à t'emmener avec moi. Allez, hop. Mais mademoiselle, pourquoi est-ce que... Ne me pose pas de questions, oui, oui. Maintenant, il faut rentrer en ville. Ah ça, j'aime vraiment beaucoup la campagne. Vive la vie à la campagne, bonne humeur dès le matin. Parmi les fleurs et les arbres, le dîner vient du jardin. Vive la vie dans la nature, les oiseaux chantent pour moi. On respire un air très pur, l'herbe est tendre sous les pas. Je pense que mademoiselle Chatounette ne connaît rien aux vaches à lait, mais qu'elle a peur de l'avouer devant moi. Dites, mademoiselle, où avez-vous appris tant de choses sur la vie à la ferme? Oh, j'ai fait toutes les plus grandes écoles d'agriculture. Enfin, autrefois, j'ai beaucoup appris sur le travail à la ferme et tous ces trucs-là, quoi. Oh, d'accord. Alors, je suis tranquille, vous saurez quoi faire en arrivant. Devant tous ces gens qui n'attendent que vous. C'est vrai. Tous mes clients vont être là pour me regarder traire une vache. Moi qui n'ai jamais fait ça de ma vie. Oh là, j'aurais vraiment l'air d'une idiote. D'accord, c'est vrai, j'en conviens. Je suis une fille de la ville. Je ne connais rien du tout de la vie à la ferme. J'ai toujours pensé que le lait, ça poussait dans des bouteilles et qu'elle grandissait dans un jardin potager. Et maintenant, tu vas pouvoir te moquer de moi. Mais ça m'apprendra, j'ai été si méchante avec toi, oui, oui. Je ne veux pas me moquer de vous, mademoiselle. Je veux juste vous aider à trouver le lait qu'il vous faut. Non, non, je n'arrive pas à le croire. Oh, regardez-moi ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà. Maintenant, il va bien falloir que j'avoue ma bêtise. Et que je leur dise tout le temps que ça va prendre pour préparer leur glace. Écoutez-moi, les amis. Mademoiselle Chatounette a amené une vache jusqu'ici pour que le lait de nos glaces soit frais. Extra, extra, extra frais. Oh, oh, oh. Mademoiselle Chatounette aime vraiment beaucoup ses clients. Moi, je vais traire la vache pendant que mademoiselle prendra toutes vos commandes. De cette manière, vous serez servi le plus vite possible. Pour manger des glaces, cet endroit est bien le meilleur du monde. Merci beaucoup, oui, oui, de ta grande gentillesse et de ne pas m'avoir fait passer pour une idiote. Mais vous n'êtes pas une idiote. Vous n'avez pas encore appris beaucoup sur les vaches, c'est tout. En fin de compte, j'espère bien ne jamais plus revoir une vache de près de toute ma vie. Dites, mademoiselle, vous n'auriez pas oublié de refermer les portes? Oh, pauvre de moi!